Maître, bonsoir. Bonsoir. Rappelez votre nom, s'il vous plaît. Je suis Maître Francine Dembadounou, avocat à la cour. Voilà. Ok, vous sortez d'une audience, l'affaire concernant votre client, M. Sidya Touré, à la direction nationale du patrimoine bâti. Comment les débats se sont passés? L'affaire qui oppose notre client, M. Sidya Touré, l'entame d'abord, je dois vous dire que c'est de former une poule d'avocats. Il y a trois cabinets qui sont constitués. L'affaire qui oppose notre client, M. Sidya Touré, et le patrimoine bâti public, l'audience a eu lieu. Les avocats, dès l'entame, les avocats de l'État ont sollicité un renvoi week-end. On s'est opposé. Finalement, la dame a renvoyé l'audience vendredi à 15h. Vendredi à 15h. Mais nous avons constaté que c'est une fuite à l'avant pour les avocats de l'État. Ils ont demandé un renvoi pour les permettre de compulser le dossier, qu'il y a les pièces. Mais les pièces viennent d'eux, c'est de l'État. Notre client a eu tout ce qui est décret autre là, de l'État. C'est une fuite en avance, ils ont demandé le renvoi au 2 mars. On s'est opposé, finalement la dame a tranché pour renvoyer le dossier pour l'audience du vendredi à 15h. Vous parlez du vendredi le 25? Vous parlez du vendredi le 25. Vendredi 25. Ok, d'ici là, qu'est-ce que vous avez fait? La consommation s'expire le 28, le renvoi c'est le 25. Est-ce que la décision est exécutoire? Elle peut même prendre la décision sur le siège. Est-ce que la décision de intimant le Premier ministre Sidya Touré à quitter sa résidence, par exemple, c'est le 28. Est-ce qu'elle est exécutoire si entre-temps la décision n'est pas rendue par le tribunal? Bon, c'est pas une décision. On l'a invité, elle a reçu, notre client a reçu un courrier du patrimoine bâti. On est dans un état de droit, c'est la justice qui devait trancher. Donc, d'ici là, est-ce qu'il compte quitter les lieux jusqu'à ce que la justice tranche? Je ne peux pas répondre à cette question. Nous sommes dans un état de droit, c'est pas patrimoine bâti d'intimer à un citoyen de quitter son immeuble qu'il a construit. C'est pas au patrimoine bâti. La justice est la boussole, d'après ce que le CNRD a dit, la justice sera la boussole de l'État. Mais malheureusement, on commence à comprendre maintenant que c'est l'arbitraire qui est la boussole. Maître, vous êtes pessimiste dans cette affaire? Je ne suis pas pessimiste, je suis confiant. Je sais que les documents que j'ai à ma possession sont suffisants. Que les documents que j'ai en suffisance prouvent font la propriété de notre client. Quels sont ces documents, maître? L'arrêté et tout ce qui s'en suit. Le décret, le reçu, le versement de la banque depuis 1997 et tout ce qui s'en suit. Merci, maître. Rappelez-nous votre nom. Je suis maître Fassine Dembadounou, avocat à la cour. Merci, maître. Merci à vous.